Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter l'outil cuisinière qui peut s'avérer très utile dans le cadre de l'enseignement à distance ou dans une démarche d'e-éducation. C'est un logiciel qui permet de construire des quiz en intégrant si besoin des ressources comme des fichiers audio, des photos ou des vidéos. L'enseignant reçoit la correction du travail de ses élèves et peut la compléter, la noter ou la modifier. Une fois connecté, vous allez créer un nouveau modèle. Vous donnez un titre à votre projet et vous choisissez la forme de votre question dans le menu bleu. Le menu orange servira aux réponses. Votre question peut prendre plusieurs formes, texte, vidéo, formule mathématique. Vous pouvez créer autant de blocs que nécessaire. Vous pouvez en particulier intégrer une vidéo en copiant et collant l'URL de celle-ci à l'emplacement dédié. Il peut être intéressant de sélectionner précisément le moment où vous souhaitez que la vidéo démarre et le moment où vous souhaitez qu'elle s'arrête. En cliquant sur le menu orange en haut à droite, vous pouvez choisir différents types de réponses adaptées à la question posée. Vous pouvez choisir que l'élève remplisse un champ de texte libre, charge un fichier audio ou qu'il réponde à un questionnaire à choix multiples ou complète un texte à trous. Enfin, vous pouvez utiliser des séparateurs en cliquant dans le cadre gris en haut à droite. Cela permet de bien délimiter chaque question. Il est par ailleurs tout à fait possible de réorganiser les modules dans la colonne de gauche. Pour diffuser votre quiz aux élèves, vous cliquez sur la flèche jaune, puis paramétrez la date limite de remise du travail. Vous obtenez un code à transmettre aux élèves. Il est possible de faire plusieurs diffusions d'un même quiz à différents groupes d'élèves. Les élèves peuvent ensuite se connecter à l'aide du code, choisir un pseudo et faire l'exercice. Ils obtiennent à la fin un code qui correspond à leur copie. En revenant à la diffusion de votre quiz, vous pouvez accéder aux copies de vos élèves, les corriger et les annoter. Vous pouvez modifier manuellement une correction automatique si vous l'estimez nécessaire. L'outil cuisinière permet la mutualisation. Vous pouvez opter pour un partage privé en copiant un lien que vous transmettrez à vos collègues qui pourront dupliquer votre quiz et le modifier à leur guise. Vous pouvez aussi choisir de partager publiquement votre travail auprès de l'ensemble des utilisateurs de cuisinière.